son compte Snapchat ce jeudi 6 septembre, Nabila Benatia a surpris ses fans en dévoilant un changement capillaire radical. Exit les longs cheveux châtains. Ce jeudi 6 septembre, Nabila Benatia a eu envie de changement. Et la chroniqueuse de Touche pas à mon poste n'a pas fait les choses à moitié. Après un passage chez son coiffeur, la future mariée a dévoilé le résultat sur son compte Snapchat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est radical. En effet, Nabila a choisi de se couper les cheveux en longs carrés plongeants. Mais surtout, elle est devenue blonde platine. Bon chéri, du coup ça te plaît d'avoir une femme toute blonde? S'est-elle empressée de demander à Thomas Vergara, qui a fait ses premiers pas dans ses clés de la télé ce mercredi 5 septembre. Depuis le temps que je voulais le faire. Évidemment, son chéri a adoré ce changement capillaire. J'adore ça, j'adore vraiment. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle petite copine. Ça te va super bien, et c'est vraiment bien fait en revanche. Avec son rouge à lèvres rouges, Nabila ressemble à une véritable pin-up. Si son chéri est fan de sa nouvelle tête, ses admirateurs se sont également empressés de complimenter Nabila. En blonde, c'est une déesse quoi, pas archi belle mais magnifique, il n'y a pas plus belle. Faut être courageuse pour passer au blond comme ça d'un coup, mais ça te va super bien, franchement, je suis amoureuse. C'est pas possible d'être aussi belle, peut-on notamment lire sur les réseaux sociaux.